Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Planet Crafter. On va faire notre bag, on va faire notre petit sac pour lequel on va aller à cette 8 grottes de champignons. Pas oublier. Il faut qu'on y aille. Et j'oublie à chaque fois. Enfin, pas que j'oublie, mais... hop, ça devrait aller. On va juste voir si on a un peu d'air là-bas. On en a une, parfait. Bah écoutez, alors. Je me suis trompé la dernière. Oh, la petite abeille. La dernière fois, d'endroit. Hein. Pour cette fameuse grotte. Là, quelqu'un m'a aidé et je l'en remercie énormément pour me dire où c'était. Il y avait deux entrées, enfin différentes entrées. Là. Et il y en a une juste à côté. Juste à côté, la cascade est là. Et donc il doit y avoir une grotte quelque part. Ah bah là, voilà. Voilà. On a une grotte ici de champignons qu'on va aller explorer ensemble. On va bien longer tous les murs. Il paraît qu'elle est très très grande. Et on va chercher donc ce fameux... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça je prends. C'est quoi ça là-bas? Une grotte. Ah, c'est une grotte qui amène... Où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est l'obsidienne! Donc je suis en dessous de la lave là. Oh. Oh, ça va beaucoup plus vite en passant par là. Ok. Donc un peu d'obsidienne, ok, nickel. Faudra emmener un extracteur ici. Il pleut dans la grotte, très bien. Et j'ai pas acheté, enfin j'ai pas pris de quoi faire des balises. Alors ensuite on a ça, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un vieux... Quoi? Il me faut un truc là, intéressant. Et là on a une ancienne porte. Cette grotte souterraine est une véritable bénédiction pour nous les gardiens. Elle regorge de ressources et se trouve sous terre, ce qui nous permet de rester cachés de l'espace. Cette planète a été choisie avec beaucoup de soin et maintenant je comprends pourquoi. J'ai hâte de commencer la construction de notre colonie et d'accomplir notre destin. Un gardien. Ok. Du coup, il nous faut un objet pour ouvrir la porte, je pense. Et quel est donc cet objet? Bah, je ne sais pas. Ici, on a la sortie vers le monde noir et blanc. Je pense. Yes. Il y a un coffre là. Oh, ça me plaît beaucoup ça.
Et ça me plaît vraiment très beaucoup. Ok. Désolé, je m'étais perdu. Très très grand champignon. Ok. Alors, bon, je fais le tour vraiment de tout. Toute la grotte pour voir s'il y a des choses intéressantes. Attends, mais j'ai fait demi-tour là ou quoi? Bah oui, j'ai fait demi-tour. What the fuck? Je suis perdu là? Attends, attends. Déconne pas, frère. On ne déconne pas, s'il te plaît. Ouais, je tourne. Attends, la sortie, c'est celle-là? Non. Elle est où la cascade? Ah, bah elle est là. Ok, autant pour moi. Ok. Ok. Bon, première expédition, ok. On va vite retourner à la base en espérant ne pas utiliser son truc d'oxygène. On va explorer le centre. Et on va relire le message. Moins 248, 42, 93. Moins 248, 42, 93. Oh! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce...
Quoi? Ah, du quartz. Ok, merci. Enfin, je sais pas si je dois dire merci. Ok. Ok. J'ai un truc à obsidienne, moi? Ah oui, j'en ai. J'en ai même un petit peu. Du coup, j'ai vu que je pouvais faire un truc à deux verres à souhait. Tac, tac. Donc, on va voir ce qu'il faut. Vous avez entendu? Comme un bruit de... Un cri. Très étrange. Oh, il faut 3 verres à soie. Ok. Mais je crois que j'en ai qu'un seul. Hop. Ok. Bah, je vais essayer d'en faire 2. Où c'est que je vais le mettre là. Alors c'est quel genre de graines qui... de larves qu'il faut pour les verres à soie? Il faut des larves peu communes. Donc il m'en faudrait 2. Larves peu communes. Larves communes, larves communes et larves rares. Ok. Où est-ce qu'il pourrait avoir des larves là-dedans? Ok, c'est des abeilles. On va dire ramasse là. Ça, c'est un caillou. Moi, je vais pas les trouver, c'est quand je cherche que je trouve pas. Donc, ah, vite fait faire le tour, mais on va pas trouver. Non, je vais pas trouver. Bon. Ça viendra quand ça viendra. On peut pas faire autrement. Ouais.
Ok. Mince. Direction les Pichignons. Il va faire tout noir. Ah oui, il fait vraiment tout noir là. Moins 248, 42, 93, un truc comme ça. Alors, moins 248, 80. 42. Alors attends, 93, je sais pas du tout où je le vois. Mais... Par là. Oh, attends. J'ai une clé d'écardia. Je vais pouvoir ouvrir la porte. Ça je peux prendre. Ok. Alors sans spoil, on m'a dit qu'il y avait un coffre jaune dedans, mais je voilà. Hôtel des gardiens. Après toutes ces années, toutes ces souffrances, nous avons décidé de quitter notre terre natale, partir le plus loin possible pour construire un nouveau foyer loin de la terreur, loin des conflits, loin d'eux. Rester caché et vivre notre existence comme nous l'avons fait des siècles durant. Après avoir soigneusement choisi un endroit où nous pourrions être en sécurité, nous avons rassemblé les derniers des nôtres dans notre plus grand vaisseau. Et par une nuit fatidique, nous sommes partis, fuyant leur insatiabilité sans fin plus qu'eux-mêmes. Au début, nous avons été frappés par notre similarité. Ils nous ressemblaient presque comme deux gouttes d'eau. Il y avait d'autres gens ? Nos scientifiques nous ont affirmé que c'était parce que nos corps célestes étaient identiques en tout point, et donc que leur évolution, bien qu'indépendante, avait suivi exactement la même course que la nôtre. C'était comme rencontrer un cousin dont vous ignorez l'existence, frère. Nous ont-ils même appelés quand ils ont commencé à atterrir sur Trea. Quelques vaisseaux spatiaux seulement au début qui se sont vite transformés en plusieurs dizaines, notre inquiétude grandissant avec leur nombre. Notre principale différence n'était pas visible de l'extérieur biologiquement. Nous étions semblables, mais nos esprits avaient été façonnés différemment. Était-ce l'œuvre du destin ou bien de la nature? Le fait est que lorsque nous en sommes rendus compte, il était déjà trop tard. Ok. Bon, il y a deux portes, une à gauche, une à droite. On va aller à gauche. Neuf, sept, quatre, six, huit. Neuf, six, quatre. 964, 68, 1744. Je prends un screen parce que je vais l'oublier. Et à gauche. Oula. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est costé.
Comment je fais pour y aller? Ah mon... Mon truc qui marche pas. Je peux tomber? J'ai peur. Comment je fais pour y aller? Ok. Donc à mon avis, je dois trouver un emplacement. Neuf cent soixante-quatre, 68, 174, 4. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vois pas du tout ce que ça veut dire. C'est des coordonnées? Ça serait où? On peut pas voir. Ok. C'est intriguant tout ça, ça m'intrigue fortement. Je regarde s'il n'y a pas vite fait des larves dans le coin. Mais... Il y a des algues là? Mais ouais, c'est assez intriguant. Et 964, c'est en hauteur? Ok. En 964, c'est plus par là-bas du coup. Attends, mais est-ce que c'est par là au moins? Enfin, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des coordonnées ou pas? Pas une petite larve qui traîne, non? Ouais. Ça, je vais le garder. On sait jamais. Je vais juste poser vite fait l'osmium. Puis le soufre. Vas-y, je prends une petite bouteille d'eau encore. Peut-être que si j'ai oublié quelque chose dans la grotte aux champignons, vous me le dites. Je vais aller en 964, je sais pas quoi là. Là?
Ah, attends. Il n'y avait pas une grotte avec un passage par ici? J'avais pas trouvé une porte cachée quelque part par là? Et tout, cette porte cachée. Je m'en souviens tellement pas. Ok, il n'y a pas de porte. Devait avoir... Je sais plus où il est le passage. Je sais plus du tout où est le passage. On avait... Ah ouais, mais elle était pas là en fait, la porte. Enfin là, il y a un truc, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça a rien à voir. Une grosse, grosse porte. Où c'est qu'elle est? Je m'en souviens, j'avais eu le succès avec. Je vais retrouver, hein. Je vais retrouver, hein. Je vais pas lâcher l'affaire, hein. Je sais que c'est par là. Je sais que c'est par là. Je vais longer le mur, je verrai bien. Neuf cent soixante-quatre. Non. Là-dedans. Non. Si. Si, si, si. OK. C'est étrange parce que mon truc il marche pas là. Mon pack. Qu'est-ce qu'on a là? On va prendre la clé en premier. Il n'y a pas de code? Ok, il n'y a pas de code. On va aller par là. Il y a des gouffres. Ok. Attends. Ah, on est dans une la civilisation des personnes là?
On peut y aller ou pas? C'est totalement détruit. Ah bah non, j'ai pas de rétro machin. Donc je peux pas voler. J'ai cru que c'était le visage de quelqu'un. J'ai tellement eu peur là d'un coup. Je sais pas si c'est par là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul chemin. Drainage orbital, dispositif de défense, journal d'observation. L'appareil fonctionne comme prévu et nos tests sont concluants. Si jamais ceux qui se font appeler humains s'approchent de cette planète, il drainera l'énergie de leur vaisseau et les empêchera de communiquer. Nous présupposons que l'appareil contrecarrera efficacement leurs efforts pour approcher de ces secteurs de l'infinitude, ce qui devrait les inciter à s'étendre ailleurs s'ils souhaitent continuer à le faire. Nos calculs sont concluants, cela nous aura moins quelques centaines d'années de... Ok. Donc en gros, les personnes qui étaient là ne voulaient pas de nous. Ce que je peux comprendre, moi-même, je vois pas de moi. Non, je plaisante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors pour le coup, je sais pas trop quoi faire. Attendez, je vais tout vérifier correctement. Ok, là il y a rien. Je vais retourner là pour bien vérifier qu'il y a rien. Il y a pas un chemin de caché? Non. Là il y a rien. Là il y a rien. Je peux pas cliquer sur ça? Non. Ok. Je vais redescendre. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Une larve. Une autre larve. Ok. Ok. Là, on est d'accord qu'il n'y a pas de code. Oula! Je pense pas qu'on peut monter jusqu'en haut là. Non, je pense pas. Attends. Là-bas, attendez, il y a quoi là-bas? Il y a un truc en haut, je suis pas fou là. Là,
Là-haut, il y a une clé de gardien. Lire les messages. Plusieurs générations se sont écoulées depuis la grande migration, mais nous n'oublions pas notre histoire et notre savoir est soigneusement transmis à chacun de nos jeunes. Nos maîtres, surveillent de près leur évolution. Nous comprenons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants. De façon ironique, leur nature destructive les pousse à s'étendre toujours plus loin et petit à petit. Oh! Ils augmentent leur portée, se rapprochant de plus en plus jusqu'ici. Nous pensions être en sécurité, mais devons maintenant. Ok. Un coffre jaune. Oh, je vais tout prendre. Ok. Comment je fais pour monter encore? Pas sortir, non. Ok. Bon, le truc, c'est que là, il y a une clé de gardien. Je peux pas monter là. Je peux monter là. C'était derrière. Est-ce que je vais avoir assez? Je ne sais pas, punaise. Cesse de parler, fonce. J'avais pas vu. Ok. Et là, on a 1565-109-2500. Ok. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on reste pas là. Et qu'on va rentrer avant de mourir. J'ai pris un screen de la... du truc. Et j'ai trois clés des anciens. Mais honnêtement... honnêtement, je ne sais pas s'il fallait retenir l'ordre, quoi, en fait. Ok. C'est quoi comme l'art vous faites? Commune, commune, commune. Que des communes, merveilleux.
Ok, je sais où c'est maintenant. Il n'y a pas de souci. Oh là là. Commune. La perte d'oxygène, elle a vraiment diminué. Je suis à moins 1,2. Avant, j'étais à moins 1,7. Donc, franchement, bien. Bien, 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 bien. Lave commune. Il n'y a pas là des larves, non. Qu'il y a du quartz qui vole. Ah bah voilà, une larve peu commune. Voli. On dirait une chocolatine. Une chocolatine. Ouais, très bien entendu. Bah du coup, je vais pouvoir faire mon truc de verre à soie, non? On va voir ça. Alors, ici un peu de quartz, on va le mettre. Larve. C'est là. Il me faut des larves peu communes. Hein. Alors, de quoi j'ai besoin pour les faire? Alors, échantillons de bactéries et engrais. Parfait. Parfait. Donc, on est d'accord. Larve peu commune, engrais. Voilà. Hein. Le truc, c'est que. Voilà. J'ai peur de faire. Ah non. Ok. Je peux pas. Ouais. Donc tac, tac, et on analyse. Tac, et on analyse. En bas. J'ai deux mutagènes que je vais mettre là. Péraillage là-bas au fond. Ok. Du coup, là-dedans, il y a quoi en fait? Ok. Nickel. Ah, il faut vraiment que je reste dessus là? C'est un peu embêtant ça, non?
Ouais, je suis là, vous en faites pas, hein, j'attends. Ok. Faut rester dessus, très bien. Où je l'ai mis? Où je l'ai mis le RSO là? J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Alors. Un zoolite, une bouteille d'eau et une bouteille d'oxygène. Et je mets ça où en fait? Ah, je peux le mettre là? Pas besoin de le mettre dehors? Bah vas-y, hein, je vais le mettre là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un écran? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose pour me dire qu'il faut que je mette telle ou telle chose? Non. Donc ça va se faire tout seul, c'est ça? Ok. Ah, je suis content. Non, par contre, ça, ça avance pas. Hein. 23% de l'O2. Ok. On va s'en sortir. Ça avance doucement, mais on va s'en sortir. Bref, du coup, nous, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.